Notre Dieu, notre Père, on veut te louer pour ta présence parmi nous. On veut te louer, Seigneur, pour cette convocation solennelle que tu nous fais, ce saint jour de sabbat, d'être présent ici avec toi. On te remercie parce que tu as une bénédiction pour chacun d'entre nous. Et nous sommes venus la recevoir, non pas parce que nous en soyons dignes, mais parce que nous en avons besoin. Parle à chacun d'entre nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. On va lire Jean, chapitre 17, de 18 jusqu'à 23. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Que Dieu bénisse sa parole. On va chanter le cantique 23 et on va s'asseoir. Bon matin à tous, un joyeux sabbat. Bon sabbat à ceux qui sont en bas aussi, que je ne peux pas entendre. Alors, le National Highway Traffic Safety Administration, le NHTSA, qui relève du ministère fédéral des Transports, fait des tests d'impact sur les véhicules. Donc, quand on achète une auto, il y a une cote qui est donnée. Et semble-t-il, c'est important. C'est en nombre d'étoiles. Donc, de 1 à 5 étoiles. Ils font des tests de collision frontale, des tests de collision latérale et des tests pour ceux qui vont faire du capotage, qui vont tourner sur le top, comme on dit. Les capotages qui sont, semble-t-il, les accidents les plus mortels. Donc, je ne sais pas si c'est un travail qui vous intéresserait. Ça doit quand même être intéressant, motivant, de pouvoir mettre à l'épreuve les véhicules que les fabricants ont construits, qui ont mis toute leur ingénierie, beaucoup d'années de travail, et là, on s'amuse à les
démolir pour voir s'ils sont aussi solides qu'ils le prétendent. En tout cas, c'est un travail que je pense que j'aimerais faire, pas parce que j'ai un esprit de destruction, mais ça serait quand même... C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Malheureusement, c'est sur la route qu'on observe ces choses-là, mais quand c'est dans, avec un certain contrôle, ça doit quand même être motivant de détruire un... Je sais pas, choisissez le modèle que vous voulez, Honda. Est-ce que la Honda a mieux réagi que le Toyota? J'en sais rien. Alors, on attribue des cotes de 1 à 5, Et ils concentrent leur budget sur ces trois catégories-là, les impacts frontaux, les impacts latéraux et les capotages. Et donc, une étoile, c'est si vous achetez un véhicule avec une étoile, vous avez plus de risques d'être blessé ou de ne pas sortir vivant. Tandis qu'à l'autre extrême, si vous avez un véhicule 5 étoiles, donc c'est le véhicule qu'on vous recommande d'acheter. Que vous ayez l'esprit tranquille. Évidemment, on sait que le Seigneur nous protège sur la route, mais lorsqu'on fait des accidents, des collisions frontales, des fois, on préfère avoir un véhicule 5 étoiles. Vous savez, un jour, il y a un adventiste sincère qui aimait Dieu, qui était un étudiant fidèle de l'esprit de prophétie, il lisait les écrits d'Ellen White sur une base régulière, a fait une importante collision frontale. En fait, la collision qu'il a faite, c'est qu'il annonçait le prochain retour de Jésus pour le 15 mai 2003. Okay? Donc, il était persuadé que les gens devaient embrasser sa vision. Le résultat de son exégèse de l'Ancien Testament, il avait étudié, il est arrivé à cette conclusion-là, il dit, écoutez, il faut que vous acceptiez ça. Si vous n'acceptez pas ça, vous allez être responsable de la vie de tous les gens qui n'ont pas accepté ce message-là qui vient du ciel. D'innombrables vies. Et vous allez devoir d'ailleurs en rendre compte devant le tribunal divin. Voilà quelle était sa déclaration. Alors, il était convaincu. Il avait une telle conviction qu'il avait d'ailleurs promis de manger ses bas si ça n'arrivait pas. Alors, c'est ce qu'on appelle une profonde conviction. Il était convaincu. Et le 16 mai au matin, on aurait dit que le coussin gonflable ne s'était pas déployé. De toute évidence, en l'observant, il n'avait pas reçu une cote 5 étoiles à l'impact qu'il venait de prendre. Et en fait, je crois que plusieurs étaient intéressés de savoir s'il allait manger ses bas pour déjeuner ou pour souper. L'histoire ne le dit pas. Mais en tant qu'adventiste, je pense qu'on place beaucoup d'importance sur le retour de Jésus. Et c'est tout à fait important. D'ailleurs, ça fait partie de notre identité, n'est-ce pas? Adventiste, on attend le retour de Jésus du septième jour, le sabbat. Donc, c'est quelque chose que c'est normal de prêcher, sur lequel on doit aussi mettre nos énergies, proclamer les signes des temps. C'est toutes des choses qui sont importantes. Et on observe d'ailleurs des mouvements qui se font. On a un nouveau président américain. On a une pandémie, il y a une crise financière peut-être qui nous pend au bout du nez. Donc, les signes des temps sont là et c'est important de savoir que Jésus s'en vient. Mais je pense aussi que c'était une erreur que de vouloir prédire des dates précises pour le retour de Jésus. Et d'ailleurs, Jésus nous le dit lui-même. Et c'est aussi une erreur, je pense, que de présenter les événements que l'on vit comme étant les derniers. Autrement dit, que c'est la dernière pandémie qu'on est en train de vivre, que c'est la dernière crise financière que l'on va traverser. Combien de fois, au travers de l'histoire du peuple adventiste, on s'est dit, ça y est, c'est la dernière fois. Que penser des gens qui vivaient durant la Première Guerre mondiale? Ils ont dû se dire, c'est la dernière. 1914 à 18, écoutez, le Seigneur revient, c'est sûr. La crise économique de 1929, ça faisait dur. La Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Et combien de guerres ont suivi, et pourtant, le Seigneur n'est pas toujours revenu. Et je pense que derrière cette erreur se cache la clé pour justement devancer le retour de Jésus. D'ailleurs, avant que Jésus ne fasse son ascension, il a donné à ses disciples un ordre qui devait établir certaines priorités au sein de son Église. Et j'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 1. C'est ce que Jésus a dit avant de faire son ascension. C'est un texte qu'on connaît bien. Acte 1, les versets 4 à 8. Acte 1, 4 à 8, on peut lire ceci.
Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous remarquez au travers la question des disciples qu'eux aussi s'intéressaient au retour de Jésus, n'est-ce pas? Est-ce à ce moment-là, Seigneur, que tu vas rétablir ton royaume sur Israël? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas revenir? Leur question montre qu'ils n'avaient pas encore compris le ministère de Jésus. Ils n'avaient pas compris quelque chose d'essentiel et ils venaient leur répéter une promesse qu'il avait faite. Vous vous rappelez, dans Jean 14, le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous rappellera toutes choses. Vous vous rappelez cette promesse-là? Les apôtres semblaient l'avoir oubliée. Ils focussaient encore sur quoi? L'établissement du royaume, le retour de Jésus. Alors Jésus est en train de leur dire, écoutez, le moment de mon retour, ce n'est pas votre problème. Je vous ai déjà dit que vous ne saurez pas ni le jour ni l'heure. Ne focussez pas sur ça. Votre besoin et votre priorité, c'est de recevoir ce que je vous ai promis. C'est ce que Jésus est en train de dire. Alors c'est quoi qu'il a promis? C'est de recevoir la puissance. Bougez pas, vous allez recevoir une puissance et je vous envoie une puissance dans quelques jours seulement. Attendez. C'est ce que Jésus disait. Alors, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus a tant insisté sur ce fait-là, qu'il demeure à Jérusalem? Pourquoi était-il nécessaire qu'ils obéissent avant de remplir la mission que Jésus leur a confiée, c'est-à-dire d'aller dans le monde, de faire des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner à observer tout ce qu'il leur a prescrit? Pourquoi c'était nécessaire qu'il y ait cette étape-là? Est-ce qu'il serait possible d'accomplir cette mission sans avoir reçu la puissance dont Jésus parlait? Évidemment que non. Parce que Jésus leur donnait une mission, mais il leur disait, « Attendez, vous avez besoin d'une puissance pour y arriver. » Mais serait-il possible, par contre, d'enseigner, de faire des disciples, d'enseigner un quelconque, d'exercer un quelconque ministère et même de baptiser des gens sans l'intervention du ciel? J'aimerais vous lire une citation tirée d'un homme qui s'appelle David Watson. Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit ceci. « Si Dieu retirait son esprit du milieu de nous, 95% de ce que nous faisons continuerait à fonctionner comme avant. » C'est quand même assez fort. Et il continue en disant, « Si Dieu avait retiré son esprit de la première église apostolique, 95% de ce qu'il faisait aurait immédiatement cessé. » Vous voyez le contraste? Est-ce possible de servir sans l'esprit de Dieu? Semble-t-il que oui. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui se passe alors lorsque l'on sert avec l'Esprit de Dieu? Et pour répondre à cette question-là, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui vivait en Chine, en campagne en Chine. J'imagine la Chine avec toutes sortes de gratte-ciels, une grande ville avec un nuage de smog au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez la Chine de cette façon-là, mais cet homme-là vivait à la campagne. Cet homme-là n'était pas éduqué. Cet homme-là était illettré. Et en plus, il n'était pas avantagé parce qu'il y avait même des problèmes avec sa mémoire. Et ce qu'on venait de lui lire ou ce qu'on venait de lui dire, il avait l'incapacité de le retenir. Donc, c'est dans cette condition-là que cet homme se trouvait. Et il avait été baptisé. Par contre, il possédait quelque chose que bien des chrétiens aujourd'hui n'ont plus, c'est-à-dire un amour authentique pour Dieu. Et son amour pour Dieu avait mis en lui un immense désir de partager. C'était tellement fort. Il voulait partager Jésus. Mais vous comprenez que de partager Jésus,
Quand vous n'êtes pas en mesure de lire la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Partager Jésus, quand vous n'êtes pas en mesure de retenir ce que vous venez peut-être de lire ou de ce qu'on vous a dit, ça devient un défi, non? L'homme se trouvait dans cette situation-là, alors il avait essayé toutes sortes de choses pour être le témoin qu'il désirait être parce qu'il aimait tellement Jésus. Et c'est comme si dans son handicap, on lui avait enlevé la capacité de partager l'amour qu'il avait. Et pour lui, il souffrait énormément. Et c'est ça qui l'a conduit à prier. Un jour, il a prié, il s'est mis dans la prière, il a agonisé pendant des heures et des heures. Il dit, « Seigneur, je t'aime, mais je suis impossible. C'est impossible que je le partage aux gens autour de moi. Ça me fait souffrir. Seigneur, fais quelque chose, ne me laisse pas dans cet état-là. » Alors, il continue sa prière et à un moment donné, il entend quelque chose dans sa tête. Il entend, « Lis le psaume 62. » Alors, il se recule de sa prière et là, il dit, well, « C'est quoi qui vient? C'est-tu moi qui viens de penser à ça? C'est quoi? » Non, je ne suis pas en mesure de lire. Je suis venu au monde, je ne savais pas lire, je n'ai jamais pu apprendre à lire. Donc, il se reconcentre. « Seigneur, réponds, je t'en prie. Fais quelque chose pour moi. » Il continue. Et il entend encore la même voix, une deuxième fois, qui lui dit, « Lis le psaume 62. » Alors, l'homme prend la Bible qui lui avait été donnée durant son baptême, au moment de son baptême. Alors, c'est peut-être comme une prophétie, finalement. On donne une Bible à quelqu'un qui ne sait pas lire. Il prend le psaume 62, il se met à lire ça. Et là, il dit, « Misère, je suis en mesure de lire. » Dans son enthousiasme, dans sa joie, il lit le psaume 62 intégralement. Et là, écoute, dans sa joie, il part à la course, il sort de chez eux et il s'en va directement à l'église. Et là, il y avait un ancien, il dit, « Écoute, c'est extraordinaire. Je peux lire maintenant. » L'ancien le regarde un peu perplexe. C'est pas le genre de chose qui se produit à tous les jours, vous êtes d'accord? Et il était tellement parti vite qu'il n'a pas emmené sa Bible avec lui, le cadeau qu'il avait reçu. Donc, il se met à lui réciter le psaume 62. Donc, Dieu lui avait donné non seulement la capacité de lire, mais une mémoire phénoménale au travers de cette expérience de prière-là. Alors, cette histoire m'enseigne plusieurs choses, mais en premier, que les Écritures nous disent que Dieu accorde les dons à ceux qui veulent servir. Si vous avez besoin de servir Dieu, et si vous voulez servir Dieu de tout votre cœur parce que vous l'aimez et ça vous fait souffrir de ne pas pouvoir le servir d'une certaine façon, Dieu va ouvrir le ciel encore aujourd'hui et vous donner des capacités que vous n'avez peut-être pas. Dieu a permis à cet homme-là de lire et de mémoriser les Écritures. Incroyable. Et en plus, elle m'enseigne aussi que Dieu peut agir encore aujourd'hui de façon puissante. Si nous donnons à la prière la place qui lui est due. La vie transformée de cet homme a été précédée d'heures d'agonie dans la prière. C'est ce qui a motivé cet homme-là, son amour pour Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé? En fait, c'est l'année de son baptême. 180 personnes ont été baptisées suite à son ministère. L'année de son baptême, pas durant tout son ministère. Dans les années suivantes, encore des centaines de personnes sont venues au Seigneur grâce, pas au don que Dieu lui a donné, mais j'oserais dire, grâce à l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Ça a transformé des vies d'une façon extraordinaire. Alors, la prière individuelle et la prière personnelle de cet homme a été exaucée du ciel. Mais qu'en est-il des prières de groupe? Qu'est-ce que ça change de prier finalement ensemble, plusieurs ensemble, ou même en tant qu'Église? Y a-t-il une place pour la prière en tant qu'Église? J'aimerais vous raconter une autre histoire pour répondre à cette question-là. Alors, c'est une histoire plutôt où il va faire froid, donc ceux-là qui ont une petite laine, mettez-vous-la sur les épaules. Ça se passe au-dessus du cercle polaire, en Sibérie. Une ville qui s'appelle Murmansk. J'espère que je le dis comme il faut. En fait, il y a une église adventiste qui a été établie à cet endroit-là.
Et non, on ne voyage pas vers Murmansk, et ce n'est pas un endroit où on passe par là, et ce n'est pas non plus une destination de rêve. OK? Pour ceux qui ont écouté ou lu des choses sur la Sibérie, il fait froid. D'ailleurs, les avions qui atterrissent là, j'ai écouté un documentaire récemment là-dessus, doivent se faire réchauffer. Il y a des camions particuliers avec des conduits d'air chaud qui viennent réchauffer les moteurs de l'avion et les pneus. Sinon, l'avion ne décolle pas. OK? Ça vous donne une idée de où on est, là. Mais semble-t-il qu'à Murmansk, les températures sont un peu différentes, mais on peut imaginer que l'hiver, c'est l'hiver. OK? Là, on se trouve au milieu des années 90, et cette église-là, adventiste, qui est là-bas, fait face à un ultimatum. Soit elle va vivre, soit elle va mourir. Pourquoi? Écoute, parce qu'il n'y a personne à Murmansk. Parce que personne ne va là-bas. Avez-vous déjà essayé de partager l'Évangile en Sibérie? C'est incroyable les conditions difficiles dans lesquelles ils évoluent. Alors, les membres meurent un après les autres vieillissent, et de toute évidence, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'enfants et qu'on est sur le point de disparaître. Alors, c'est le constat que les gens font. Alors, certains membres vont prendre une décision. Afin d'être redevables les uns envers les autres, 7 membres décident de se rencontrer à chaque matin, à 6 heures du matin. Et vous savez, c'est particulier ce qu'ils vont faire. Ils vont sortir dehors en short. OK? Ils vont s'en aller dans un endroit glacé, évidemment. Ils vont prendre un point de pêche le plus proche, c'est-à-dire où il y a la glace et il y a un trou qui a été fait pour pouvoir pêcher. Mais eux, ils vont se servir de ce trou-là, pourquoi? Pour se plonger un après l'autre, les 7. Et ils vont s'agenouiller autour du trou, ils vont se mettre les bras les uns sur les autres, les épaules, et ils vont prier ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils vont prier? Pour ne pas avoir une hypothermie, pour ne pas avoir une pneumonie? Non. Pour que Dieu déverse sa puissance, que le feu du ciel descende sur cette église-là et qu'il puisse accomplir quelque chose alors que l'église est sur le point de disparaître. C'est ce qu'on appelle un engagement, non? Et les gens font ça pas juste une fois, là. C'est pas le spa nordique qu'on connaît ici, là, qui nous fait du bien, après on va dans le spa et on se fait masser. Ça n'a rien à voir avec ça. On est à Murmansk et les gens font ça à chaque jour. Chaque matin, ils sortent et ils font cet engagement-là envers Dieu et les uns envers les autres pour dire, écoutez, Seigneur, c'est sérieux notre engagement. On ne veut pas que notre Église disparaisse. On ne veut pas continuer à se voir dépérir. On ne veut pas te servir sans la puissance du ciel. Envoie-nous la puissance du ciel, Seigneur, et on n'attendra pas à cet été. C'est maintenant, alors qu'il fait froid, qu'on prend cet engagement-là. Alors la question, est-ce que Dieu a répondu à un tel engagement? Dès la première année, ils ont eu 80 baptêmes. Je vous parlais d'augmentation de baptêmes au sein de la division nord-américaine. Lorsqu'on a 5 % d'augmentation comme membership, comme présence et aussi comme baptême, on considère ça comme une croissance. Et dans leur cas, c'était une croissance de 1000 %. 80 baptêmes la première année. En fait, vous savez ce qui est arrivé dans les années suivantes? Ils ont implanté 6 autres églises. Leur église était rendue trop petite. Est-ce que c'est à cause qu'ils se sont plongés dans l'eau glaciale? Évidemment que non. Mais j'aimerais vous suggérer que c'est à cause de leur engagement envers Dieu et les uns envers les autres. Qu'à chaque jour, ils se donneraient à Dieu quoi que ce soit pour recevoir la puissance de Dieu, pour que Dieu puisse, même en Sibérie, transformer des vies, là où personne ne va. Alors, la prière individuelle, la prière en famille, c'est bien. Mais lorsqu'on a l'occasion de prier en tant qu'Église, et que nous sommes prêts à faire ce qu'il faut pour y être, même des sacrifices, à partir de ce moment uniquement, je vous suggère que nous devenons vraiment sérieux dans notre engagement, et prêts pour ce changement radical que Dieu veut apporter, un, dans nos vies, deux, au sein de nos familles, et trois, au sein de son Église. Je vois un engagement extraordinaire de la part des membres à Murmansk. Alors, je reviens sur la question du début
Évidemment, on peut servir sans l'Esprit. Mais lorsque l'on sert avec l'Esprit, regardez qu'est-ce qui se produit. Qu'est-ce qui s'est produit en Chine? Qu'est-ce qui s'est produit en Russie? Et qu'est-ce qui va se produire chez nous? J'en sais rien. Et je pose maintenant une autre question. Si on peut servir sans l'Esprit, est-ce que c'est possible qu'on puisse aussi aimer sans l'Esprit? Ça vaut la peine de se poser la question. Et pour ça, tournons nos regards quelques instants vers la chambre haute. Comment les disciples ont reçu cet ordre-là de Jésus, c'est-à-dire de rester à Jérusalem et de recevoir la puissance dont ils avaient besoin? Et de rester ensemble et d'attendre la puissance du ciel. Et les Écritures nous racontent qu'ils ont passé d'abord 40 jours avec Jésus et ensuite 10 jours dans la chambre haute, ensemble. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? De quelle façon est-ce qu'ils ont échangé les uns envers les autres? Qu'est-ce qu'ils ont appris, en fait, au travers de ces 10 jours-là qu'ils ont passé ensemble? Il y a plusieurs facteurs en place. En fait, je ne pourrais pas, ce matin, étudier les 10 jours parce que ce serait le contenu d'un message. Peut-être que je vais le faire durant le prochain message. Mais ce matin, je veux juste vous suggérer qu'il y avait plusieurs facteurs en place qui auraient pu faire en sorte que ça l'explose, si vous voulez, dans la chambre haute. D'abord, il y avait Thomas. Vous connaissez l'histoire de Thomas? Thomas ne croyait rien ni personne. Si ça ne venait pas de Jésus lui-même, si Jésus ne se manifestait pas à lui personnellement, ça ne comptait pas. Donc, laisse faire ce que tu me dis, c'est Jésus qui me parle. Thomas était là, et c'est de cette façon-là qu'il agissait. Il était là, il était présent. Et vous connaissez Jacques et Jean, les deux chouchous de leur maman, qui souhaitaient avoir une position privilégiée, on va dire. Et non seulement ils étaient les chouchous, mais en même temps, ils étaient les fils du tonnerre, n'est-ce pas? Ça aurait pu exploser dans la chambre haute. Imaginez, je ne sais pas la grandeur de la pièce, mais là, on a deux bonhommes dans la même pièce qui peuvent faire une grande différence. Et ils étaient là. Et il y avait aussi Pierre. Pierre, on ne peut pas ignorer Pierre. Pierre avait quand même une certaine opinion de lui-même et il était là, il avait certainement ses choses à dire. Pierre parlait. Après ça, il réfléchissait, évidemment. Et Pierre était là. Et que dire des frères de Jésus? Vous savez l'histoire des frères de Jésus? Je pense que le pasteur en avait fait une histoire à un moment donné. C'était pas drôle pour Jésus. Ses frères étaient durs avec. Ils tapaient dessus, ils murmuraient, ils critiquaient. Et écoute, ça lui a fait vivre des moments vraiment difficiles. Et non seulement les frères de Jésus, mais aussi ses disciples. Parce que sa gang-là, les frères de Jésus s'en sont occupés. Et eux aussi étaient là, parmi les 120. Ils étaient tous là. La Bible ne nous dit pas qu'ils n'avaient pas envie de se voir au début, mais nous dit au moins comment l'histoire s'est terminée. Et j'aimerais focusser là-dessus, au verset 14 de Acte 1, toujours. Il nous est dit, « Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Alors, on peut dire qu'ils étaient d'accord d'être ensemble à la limite. Ça va? Ils étaient d'accord d'être ensemble et de prier même pour recevoir la puissance puisque c'était Jésus qui l'avait demandé. Mais pour le reste, est-ce qu'ils s'aimaient, est-ce qu'ils ne s'aimaient pas vraiment? L'histoire ne le dit pas vraiment. Comment se sont-ils aimés? Est-ce que c'est possible de servir, c'est-à-dire d'aimer sans l'Esprit? Alors ma question c'est, est-ce que c'est possible? Est-ce que ces gens-là s'aimaient vraiment? J'aimerais vous lire une citation tirée du livre Manuscript Releases au volume 9 à la page 303 que j'ai fait en traduction libre parce que ce n'est pas disponible en français. On lit ceci. Nous sommes encouragés à prier pour réussir, avec l'assurance divine que nos prières seront entendues et répondues. Ça commence bien, ça? C'est encourageant. La promesse est faite à la condition que... Ah, je savais, il y aurait une condition. À condition que l'Église offre ses prières dans l'unité. Voici une première condition. L'unité de l'Église dans la prière. Ça va. En réponse à ces prières, on peut s'attendre à...
Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre lorsque l'on prie dans l'unité en tant qu'Église? À une puissance plus grande que ce qui vient en réponse à la prière privée. La puissance donnée sera proportionnelle à l'unité des membres et leur amour pour Dieu et les uns pour les autres. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je prends ça une étape à la fois. Premièrement, la puissance que l'on reçoit individuellement et la puissance que l'on reçoit lorsque l'on prie en groupe n'est pas la même. Prier en groupe, prier en tant qu'Église, c'est demander à Dieu une puissance plus grande. Alors, c'est extraordinaire de savoir que lorsqu'on se regroupe ensemble, il y a davantage que de prier chacun de notre côté. Donc, merci Seigneur de pouvoir savoir ça. De plus, la puissance que nous recevrons, qu'elle soit faite individuellement ou en groupe, sera proportionnée à quoi? Notre amour pour Dieu et les uns pour les autres. Alors, les 120 ont reçu une puissance extraordinaire, n'est-ce pas? On connaît l'histoire de la Pentecôte. Conversion par milliers, miracles, des choses extraordinaires, dont des langues, nommez-les. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion sur l'amour pour Dieu et les uns pour les autres que les 120 avaient? Forcément, il devait y avoir quelque chose qui s'était réglé durant ces 10 jours-là, parce qu'ils ont reçu une puissance proportionnée à leur amour. Alors, j'aimerais vous suggérer ce matin que si vous voulez recevoir le maximum de puissance du ciel, joignez-vous lorsque l'Église prie. Ou regroupons-nous, ne faisons pas les choses individuellement parce que c'est une promesse de recevoir davantage. Et c'est facile. Regroupons-nous. Et Dieu nous invite à prier pour demander, c'est-à-dire demandons à Dieu de nous aimer les uns les autres comme Jésus lui nous aime. Parce que ça, on doit s'avouer, si on est vraiment honnête, en tout cas, en ce qui me concerne, est-ce que je vous aime comme Jésus vous aime? Évidemment que non. Jésus vous aime beaucoup au-delà de ce que je peux vous aimer. Mais j'aimerais pouvoir vous aimer davantage parce que semble-t-il qu'il y a une puissance qui est reliée à ça. Donc, ma prière, et je suggère que ce soit la vôtre aussi, Seigneur, donne-moi de l'amour pour mes frères et sœurs et de l'amour pour toi. Pour que quand on va se rejoindre en tant qu'Église et qu'on va prier, que cette puissance que l'on va recevoir, qui va être proportionnelle à notre amour, soit proportionnelle à l'amour que tu auras déversé en nous. Vous voyez mon raisonnement? J'espère que ça fait du sens de réclamer la puissance du ciel pour qu'on puisse en recevoir encore davantage. Demandons-lui la grâce de l'accomplir en nous, finalement, parce que autrement, c'est impossible. J'aimerais vous lire un autre passage tiré du livre « Parabole de Jésus » que vous connaissez bien. Pardon. Tiré du chapitre « Qui est mon prochain » à la page 338 et au paragraphe 1. On lit ceci. « Le fondement de la piété, c'est l'amour. » Donc, peu importe si on se dit religieux, la fondation même, c'est l'amour. C'est dit « Quelle que soit notre profession de foi, nous n'aimons pas vraiment Dieu si nous n'aimons pas nos frères d'une manière désintéressée. » Une manière comment? Désintéressée, c'est-à-dire l'amour que Jésus a pour nous. Ça n'a rien à voir avec notre amour, on s'entend? L'amour qui se sacrifie, l'amour qui descend du ciel, l'amour agapé. Donc, c'est cet amour-là dont on parle ici. Mais nous n'y parviendrons pas en essayant d'aimer les autres. Ce qu'il nous faut, c'est l'amour de Jésus dans notre cœur. Si le moi est absorbé par lui, l'amour jaillira spontanément. Quand nous nous sentirons constamment poussés à venir en aide à notre prochain et que la lumière céleste remplira notre âme et se reflétera sur notre visage, nous serons parvenus à la maturité chrétienne. J'ai remplacé perfection par maturité parce que j'aime mieux l'image de maturité, de grandir dans l'amour de Dieu. Alors, j'aime beaucoup cette citation-là, parce qu'elle nous parle d'essayer. Vous avez remarqué? On n'arrive pas à quelque chose en essayant, en tant que chrétien, semble-t-il. Alors, je crois qu'on a trop souvent échoué individuellement et en tant qu'Église, en essayant. Vous savez ce que je veux dire? En essayant de servir sans le Saint-Esprit. En essayant d'aimer
sans l'Esprit de Dieu, encore une fois. Et je reviens sur cette histoire de cet homme-là en Chine. Est-ce que vous pensez qu'il a essayé, lui aussi? Il a dû essayer de servir, de rendre témoignage à Dieu avec les limites qu'il avait. Il ne pouvait pas lire. Il ne se souvenait de rien. Il a dû essayer de toutes ses forces, jusqu'à temps qu'il en ait assez d'essayer. Il disait, « Seigneur, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas lire. Je ne me rappelle de rien. Viens à mon secours, fais quelque chose. » Et à partir du moment où cet homme-là a essayé d'essayer, hein, il a arrêté d'essayer et qu'il s'est mis à genoux, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et souvenez-vous de cette histoire-là, de cette église en Russie. Ils n'ont pas dû essayer, vous pensez? Ah, il a dû avoir un programme que le pasteur leur a présenté ou que la fédération leur a suggéré. Comment faire des contacts, comment toucher nos proches, comment partager un glow sans qu'il gèle en Sibérie. J'en sais rien. Ils ont dû tout essayer jusqu'à temps qu'ils disent non. On va s'engager envers Dieu de telle façon que le ciel va intervenir. Ils ont décidé d'arrêter d'essayer et de confier ça à Dieu. Et là, le ciel est intervenu. Et je crois que ces essais, oui, vont nous faire faire des collisions frontales, avec peut-être une étoile plutôt que cinq, n'est-ce pas? Et le ciel veut nous permettre de passer en tant qu'Église d'un certain nombre d'étoiles ici à cinq étoiles. Peu importe le nombre d'étoiles que l'on a, je pense que le ciel veut nous permettre de recevoir cette puissance-là dont on a besoin. C'est ce que je crois au travers de ces histoires-là. Et vous savez, avant le retour de Jésus, il y a quelque chose d'important. Ce n'est pas le nouveau président. Ce n'est pas la nouvelle pandémie. Ce n'est pas la crise financière. Ce n'est pas le dernier tremblement de terre. Ce n'est pas la dernière éruption volcanique. Avant la venue de Jésus, il y a la venue du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, juste avant de partir, « Focussez non sur l'établissement du royaume, mais sur la puissance. » La puissance du Saint-Esprit va devancer le retour de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit va être déversé dans toute sa puissance, on n'aura pas à se poser la question. Le retour de Jésus va être pour là. Ça va se passer rapidement, nous dit l'Esprit de prophétie. On n'aura pas à se questionner. Les choses vont aller extrêmement rapidement. La venue de l'Esprit. Alors, je vous pose la question, je me la pose aussi. Vous êtes-vous engagés? Nous sommes-nous engagés envers Dieu? Comme ces gens-là en Russie qui prennent leur bain nordique à 6 heures le matin. Est-ce qu'on est allé jusque-là dans notre engagement envers Dieu? Avez-vous un immense désir de partager Jésus qui vous pousse à agoniser dans la prière pendant des heures pour que Dieu ouvre des portes? Comme cet homme-là en Chine. Aimez-vous vos frères et sœurs comme les 120 dans la chambre haute? Et croyez-vous que ceux qui nous observent croient que nous sommes envoyés du ciel en contemplant l'amour qu'on a les uns pour les autres? Évidemment, on connaît la réponse. Non. À moins que vous me disiez, écoutez, je suis convaincu d'être rempli de la puissance de l'Esprit et je suis prêt à manger mes bas. Est-ce que c'est ça que vous me dites ce matin? Évidemment que non. Je ne peux pas vous garantir ça pour moi et ça va m'éviter de manger mes bas. Prions ensemble dans ce programme de réveil et de réforme. Laissons Dieu nous couvrir de sa puissance, de son amour, pour que nous devenions une Église 5 étoiles. Amen.
Notre Dieu, notre Père, ce chant, c'est notre prière. Nous voulons être terrassés par ton amour. Nous voulons recevoir cet amour du ciel comme tu l'as promis. Les apôtres, au tout début, en avaient besoin. Et tout le long de l'histoire, Seigneur, la puissance de la vie chrétienne s'exprime de cet amour qui est incompréhensible. Ça commence à la croix lorsqu'on observe Jésus, dans cet amour désintéressé, dans un amour qui se sacrifie, dans un amour qui a tout supporté, en prenant simplement une chance d'avoir une réponse positive de notre part, nous qui sommes ennemis par nature de notre Sauveur et Seigneur. Éternel, tu as promis cette puissance et tu l'as accordée au tout début de cette Église que tu es venu établir. Nous en avons vu les effets au travers des Écritures. Ça a été extraordinaire. Et nous vivons encore sous l'ère de cette première Pentecôte. Et Seigneur, cette puissance est disponible pour nous dès maintenant, pour ceux qui veulent s'en approprier, n'est-ce pas, Seigneur? Et d'ailleurs, tu vas répandre une puissance encore plus grande, juste avant ton retour, la pluie d'arrière-saison. Il va se passer des choses encore plus extraordinaires. Nous avons encore, semble-t-il, une double portion, quelque chose de puissant pour ton Église, pour qu'elle puisse servir comme Jésus a servi, pour qu'elle puisse aimer comme Jésus a aimé. Merci, Seigneur, de nous rappeler que nous n'avons pas à essayer, mais à se laisser transformer par Dieu. Merci pour la puissance de la prière qui peut nous paraître parfois peut-être demeurer immobile alors que nous sommes à genoux et qu'on se soumet à la puissance du ciel. Mais j'entends au travers ces histoires, Seigneur, que prier, c'est agir. C'est le début, Seigneur, d'une grande œuvre que tu vas accomplir en nous et au travers de nous et pour ceux que nous rencontrons. Accomplisse-le pour nos familles, Seigneur. Accomplisse-le pour notre Église. Et qu'au travers de tout cela, tu puisses revenir bientôt. Nous t'en prions pour toutes ces choses. Au nom de Jésus. Amen.